Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Donc si vous êtes présent sur cette initiation à la gémothérapie, c'est que donc vous avez pris connaissance de mon webinaire sur les réseaux sociaux et que vous avez également téléchargé donc le document qui était proposé gratuitement et qui vous donne déjà les premiers outils pour comprendre cette approche et cette initiation donc à l'utilisation des bourgeons et des jeunes pousses. Cette initiation est donc la première d'une longue série où nous allons donc découvrir pourquoi et comment utiliser les macérants de bourgeons pour votre bien-être et celui de vos proches. Et nous pourrons par la suite continuer en étudiant arbre par arbre et en allant un peu plus loin sur l'approche, en étant plus sur la sphère symbolique, mais toujours également sur l'utilisation des principes actifs du bourgeon en fonction donc des cures que vous aurez prévues, soit détoxination, régénération ou de stabilisation. Nous parlerons donc de plusieurs choses. Je vais vous faire un petit sommaire de cette première initiation. Donc, il va y avoir une introduction à l'histoire, voilà, comprendre l'origine de la gémothérapie. Vous verrez que ce n'est pas une science récente, hein, elle est quand même présente dans beaucoup de littérature en phytothérapie. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi les bourgeons, pourquoi ce choix des bourgeons et des jeunes pousses dans l'utilisation en thérapie donc naturelle. Son approche énergétique, et oui, il y a une approche énergétique avec le bourgeon. Et ses principales actions, voilà, donc nous verrons aussi les principales actions et comment l'utiliser, donc en fonction des terrains et des cures que vous souhaitez faire par la suite. Je vous expliquerai aussi les différentes formulations, car il y en a plusieurs aussi, et les associations possibles, sans risque, pour effectivement renforcer le travail de terrain que vous souhaiterez faire. Nous comprendrons aussi donc ces étapes que je vous ai mentionnées dans le book gratuit, donc les étapes et les différentes actions qui se passent donc en trois phases. Et ensuite, nous terminerons par un récapitulatif des principaux bourgeons, donc les plus utilisés et les plus facilement utilisables, donc sans souci pour vous et pour vos proches, tous les différents bourgeons à utiliser en fonction des systèmes. Donc quand je parle de systèmes, c'est système digestif, respiratoire, etc. Voilà, donc nous allons démarrer. Vous pouvez vous installer confortablement, prendre un papier, un crayon, mais sachez que de toute façon, vous retrouverez après chaque module un petit quiz pour voir si vous avez bien assimilé et compris donc ce que je vous ai transmis, et également un petit récapitulatif que vous pourrez imprimer, donc ce document sera toujours en PDF. Voilà, c'est parti, vous êtes prêts ?